qui est fait aujourd'hui pour changer le paysage de Kinshasa, de notre route, mais en tenant compte du respect de l'écologie, parce que nous avons suivi ça dans tous les discours. Et bien donc, amis téléspectateurs, que la participation des partis politiques est importante ici, la population elle est vraiment venue, grandement venue, dans la tradition des drapeaux qui nous accompagne à chaque fois. Nous sommes en train de voir d'autres drapeaux et dit, vous allez trouver là-bas ADPC, c'est un nouveau parti politique sûrement. Vous savez, Edith Chalaï, plus de 5 partis politiques il y a peu, tout a été réajusté et donc le président écrit de sa propre main. Porte ses marques sur la pierre et il parle sûrement. Voilà, il voit la date. Le 2 mai 2018. Le site de l'aéroport international d'Ndjili. Voilà. Le moment le plus important de cette grande cérémonie est le chef de l'État l'a compris personnellement. Poser la première pierre des travaux de construction de la nouvelle aéroport international d'Ndjili. Que le président de la République a suivi méticuleusement depuis le début de
ce projet, toutes les étapes pour donner son quitus et donner des orientations. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila Soumanda, l'a dit, l'aéroport qui sera construit en cet endroit, disons mieux l'aérogare qui sera construit en cet endroit, sera bien une haute définition, les high-tech seront prises en compte, tout sera fait pour que cet aéroport réponde aux normes internationales, mais que surtout la République démocratique du Congo aux dimensions continentales soit effectivement cette plaque tournante au centre de l'Afrique pour tous les voyageurs à travers l'Afrique, parce que cet aéroport, cet aérogare qui est en train d'être construit aujourd'hui va accueillir à terme 3 millions de passagers par an, c'est-à-dire que le trafic sera très important en ces lieux. Et aussi, dans les détails qui nous ont été donnés, un pan de voile a été lié sur ce que nous avons appelé taxe AIDF, connu sous le nom de GOPAS. Un financement important sera fait par le gouvernement de la République qui, à hauteur de 15%, va contribuer à la construction de cet aérogare qui est prise aussi en charge par Exim Bank de Chine, qui à 85% va contribuer à la construction de cet aérogare. Nous retenons que le gouvernement de la République a déjà déboursé 20 millions de dollars pour les débuts des travaux, ce qui signifie que juste après cette cérémonie, l'important arsenal des machines, des véhicules qui sont postés ici par l'entreprise WeTech qui va réaliser les travaux vont entrer en mouvement. Et les travaux vont commencer pour que le délai de 36 mois d'exécution des travaux soit tenu. L'aérogare international, l'aérogare qui est en train d'être construit, nous sommes en mesure de le dire parce que, comme je viens de vous le dire, dès notre départ d'ici, les travaux vont commencer. Les travaux coûteront près de 354 millions de dollars et les tarmac va prendre 77 000 mètres carrés et plus de 40 000 mètres carrés seront réservés à l'aérogare. Le boulevard Lumumba qui passe par l'aéroport de Djili va connaître une déviation de près de 5 km, ce qui implique que ce que nous avons appelé le camp Badara et le camp Zeta vont certainement être délocalisé pour permettre à l'aéroport aujourd'hui modernisé de prendre des dimensions qui lui sont confiées par la technique et les études qui ont été menées. Amis téléspectateurs, depuis 1956, l'année qui a vu l'aéroport international de Djili ouvrir ses portes à des vols étrangers ou des vols internationaux, 60 ans se sont presque écoulés pour voir aujourd'hui, plus de 60 ans j'allais dire, pour voir aujourd'hui une réelle modernisation précédée bien sûr par l'aérogare modulaire qui a été construit en 2015 ici à l'aéroport international de Djili. C'était encore le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, qui était venu poser la première pierre. Il est venu inaugurer. Mais aujourd'hui, il pose la première pierre de l'aérogare modernisée en réalité pour une capacité d'accueil de 3 millions de passagers par an. Je crois que l'aéroport international de Djili va à terme répondre aux exigences de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Voilà donc, amis téléspectateurs, vous avez suivi la RTNC qui vous retransmettait en direct cette grande cérémonie qui a vu le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, poser la première pierre de la construction de cet aérogare de l'aéroport international de Djili, l'Enetiga. Asante Edith Chala, okwelegi si tunaweza kuwajulisha kama tuko hapa leo, sherehe kubwa, sherehe ya kuanzishwa kwa majengo ya kiwanja cha ndege mpya katika makamilisho ya vituo vitano vya majengo ya baba taifa Joseph Kabila Kabange. Ndio kweli leo Joseph Kabila Kabange rais ametia jiwe ya kwanza ya kujenga kabisa kiwanja hicho
sisi tunaweza kuwajulisha wafuasi wapenzi wakuu uongozi wengi wamepatikana huko, na tunawakumbusha kama siku zijazo ndio kutaweza kukamilisha pia ulalo kubwa upande wa jimbo la Kongo Central, na kuona kama kusema mashua maji kubwa kubwa kutoka nchi za Ulaya itaweza na kabisa kufika nchini mwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi upande wa ulalo, upande wa jimbo la Kongo Central. Katika hotuba yake yeye kiongozi mkuu wa shirika ambayo itaweza kujenga ataweza kufanya kazi ya majengo ya kiwanda hicho shirika itayo SZTC WITEC ndio kabisa itaweza kukamilisha kazi hii ya majengo. Tutakumbusha pia kama yeye aliweza kuchukua masemi niweza kuwa kiongozi mkuu wa RZA hapa na Abdallah Bilenge aliweza kuhakikisha kama kazi hii itaweza kudumu miaka mitano hadi kusema miezi 36. Kazi hii itaweza kuanzisha tarehe ya leo kusema tarehe 2 Mai mwaka 2018 hadi tarehe 2 Mai mwaka 2021. Tutajulisha ya kama katika masemi yake yeye aliweza kuchukua masemi ya mwisho kiongozi ama waziri mkuu makamo mwenye kusika na uchunguzi yani Transcom Jose Makila Sumanda aliweza kukumbusha na kujulisha kama zaidi ya wasafiri milioni 3 wataweza kufanya safari katika wataweza kupokelewa huko kiwanja cha ndege cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Kinshasa. Tukumbusha pia kama katika masiri yake aliweza kujulisha kama pesa ambayo ataweza kutumia imetoka ama msaada imetoka katika benki ya nchi China, wataweza kuchukua zaidi ya 85 juu ya 100 na nchi yetu itaweza kabisa kugharamia pesa zaidi ya 15 juu ya 100, na kutajulisha kama yote pesa itaweza kutumia itaweza kuwa 368 milioni za dola za Amerika. Na kweli kazi hii ni kazi kubwa kabisa ambayo imekamilishwa katika maono mapya majengo ya Joseph Kabila Kabani.